Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne FMiss Cooking. Aujourd'hui, je vais vous présenter une salade algérienne, tomates et concombres. Pour cela, on a besoin de 4 tomates, 2 concombres, 1 oignon rouge, ensuite une poignée de coriandre, une poignée de persil et 2-3 feuilles de feuilles de menthe et bien sûr de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel et du poivre. Alors en premier temps, j'ai épluché les concombres, lavé les tomates, lavé les concombres, épluché l'oignon rouge et je vais commencer à couper en petits dés mes concombres à l'aide d'un appareil que j'ai qui est très rapide à utiliser. Comment les concombres ont été coupés en cubes? Donc grâce à cet appareil qui s'appelle le Magic Cube. Bon, ça fait des années que je l'ai et c'est très pratique et on peut couper très facilement tous les légumes. Et ensuite, je les mets dans un saladier. Saladier et continue avec les tomates et les oignons. C'est très simple, rapide. Et les concombres ne sont pas abîmés. Ça, c'est génial. Voilà. Et je remets l'appareil. Donc, il faut faire très attention, ça coupe. Je continue avec les tomates. Donc là, j'enlève le pédoncule. Et je coupe la tomate en deux. Et j'essaye de le mettre là-dedans et ça coupe. Voilà. Et mes tomates, elles sont bien coupées. Faut pas que les tomates soient trop mûres par contre. Et je continue. Alors voilà les tomates bien coupées. Oui, la cuillère est là, donc je vous montre. Elles sont bien coupées, elles ne sont pas écrasées. Par contre, vous faites bien attention si vous utilisez cet appareil qui est le Magic Cube. Les tomates, évitez de mettre l'eau parce que ça a bien lâché l'eau, les tomates. Donc voilà. Et ensuite, je continue avec les oignons, l'oignon rouge. Le couvercle, je pose la lame coupante et je coupe mon oignon rouge en deux et je fais pareil. Voilà. Vous pouvez le constater, les oignons, elles sont bien coupées en cubes. Alors, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, si vous utilisez cet appareil, faites très attention à la lame, elle est très coupante et ça se lave à l'eau et liquide vaisselle. Surtout, utilisez une brosse pour pas vous
vous coupez. Voilà, autrement c'est très simple et c'est rapide. Ensuite, ma salade est presque terminée. Je rajoute mes fines herbes. Donc, comme j'ai dit, il y a de la coriandre, du persil et trois brins de feuilles de menthe. Je les hache avec mon appareil. Avec ce mini hachoir, c'est très rapide, simple, et je peux mélanger toutes les herbes. Là j'ai mis de la coriandre, du persil et trois feuilles de menthe pour parfumer cette salade algérienne. Donc moi je suis très gadget, j'aime bien tout ce qui est gadget pour utiliser avec la cuisine, cuisiner et tout. J'aime bien ce style d'appareil rapide et simple et pas cher. Voilà, ma salade est presque prête. Je vais rajouter ensuite, alors je me suis les mains, alors je vais rajouter ensuite 2 cuillères à café de vinaigre. Donc je mets une cuillère à soupe. Donc je mets une cuillère à soupe de vinaigre. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après vous pouvez assaisonner à votre convenance. Du sel et du poivre. Et du poivre. Voilà. Et je vais rajouter aussi, que j'ai pas dit, je vais mettre un petit peu de citron. Malgré qu'il y a du vinaigre, c'est pas grave, moi j'aime bien le petit goût de citron. Ça parfume très bien avec la menthe, la coriandre. Voilà. Et c'est tout. Je mélange bien. Déjà, ça sent très bon. Toutes ces herbes. Elles parfument très bien la salade. Une très bonne salade pour l'été. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, je vais le couvrir et le mettre au frais jusqu'à la dégustation. Donc voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu et que vous pouvez la faire chez vous. Et elle s'accompagne très bien avec des brochettes d'agneau. Voilà, une salade estivale et très fraîche. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye !